Bonjour à tous les gens, c'est Mélo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis désolée pour la circulation à côté. Il y a des camions, des voitures, il y a tout ce que tu veux et ça fait un bruit infernal. Bref, aujourd'hui si je dis ça c'est parce qu'on se retrouve pour un NoQueueTag hashtag 2. Donc j'ai été nominée par Blue Setup que je mettrai dans la description et Guillaume Lifestyle que je mettrai aussi dans la description. Donc je vais répondre à une série de questions qui n'est pas du tout la même que le NoQueueTag numéro 1. Mais là c'est vraiment le NoQueueTag numéro 2. Je ne sais pas qui c'est qui l'a inventé, celui-là je ne sais pas du tout. Bref, les questions sont sur mon téléphone, donc je vais y répondre et respire Mélo. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 3 plombes parce que je n'ai pas regardé les questions et je ne sais pas encore ce qui m'attend et d'habitude j'y réfléchis avant d'y répondre mais là je ne peux pas. Voilà. Oui, aujourd'hui on se retrouve en chat. Bref, je vais répondre à Blue Setup qui m'a... et Guillaume qui m'ont nominé mais Blue Setup m'a nominé en dernier. Donc voilà, voilà. Bref. Oh putain. Alors, les questions. 1. Aimes-tu les fêtes? Oui, j'adore faire la fête. Pas en boîte de nuit, hein, bien sûr. À des anniversaires ou des conneries comme ça, j'adore. Voilà. As-tu déjà foncé dans un mur? Non, j'ai jamais foncé dans un mur, mais j'ai déjà foncé dans une... J'ai déjà foncé dans une baie vitrée. C'est presque la même chose. As-tu déjà construit un igloo? Ah non, jamais, j'ai jamais osé construire un igloo. Sous peur que le truc explose, enfin, non, pas explosé, mais s'écroule sur ma tête, tu vois. Non. Si tu devais voir un groupe en concert, mort ou vivant, lequel? Alors, je vais m'exprimer, je vais dire le nom du groupe de deux personnes avec Yolandi et l'autre gars, je sais pas comment il s'appelle parce que moi je suis fan de Yolandi. Donc c'est D-Antwoord, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, mais c'est un groupe que je kiffe ma race. C'est un espèce de rap et franchement les personnages sont vraiment perfect et si je pouvais aller les voir ça serait mon rêve. Je t'explique. Donc si tu connais le groupe, n'hésite pas à le dire en commentaire, hein, j'aimerais bien savoir qui connaît. Je mettrai une photo ici quand même. Hein. Ah bah non, c'est vrai, j'ai pas le droit au montage. Sachez que dans ce NoQueueTag, il y aura une musique parce que je ne peux pas mettre une vidéo en ligne sans qu'il y ait un brin de musique. Et aussi un filtre parce que... Ou peut-être pas. Parce que j'aime bien aussi mettre un filtre, mais ça n'a rien à voir avec une coupure de vidéo. Je cite, ok? Parce que je sens qu'on va me le dire dans les commentaires. Percé ou tatoué? Aucun des deux. J'étais percé aux oreilles, mais je peux pas. Je supporte pas. Et tatoué, j'aimerais beaucoup me faire tatouer quelque chose ici. Une date ou une connerie comme ça. Prochain projet. Vanille ou chocolat? Les deux de préférence, mais si j'avais un choix entre les deux, je prendrais chocolat. Comme 99% des personnes. Ouais. As-tu déjà gagné au jeu à gratter? J'ai déjà gratté des jeux avec mon papa. Et on a souvent gagné 1€ ou le prix de pouvoir rembourser le jeu. Donc moi personnellement j'ai jamais gagné. Et de toute façon je suis une poisse. Je porte la poisse à tout le monde. 8. Ta princesse ou ton super-héros préféré? Ma princesse ou mon super-héros? Là je sais pas. J'ai une poussière dans l'œil en vrai, faut que ça m'arrive là en plus. Ah, mon super-héros préféré, je sais même pas si on pourrait qualifier ça comme un super-héros, mais je vais dire Harley Quinn. Et ma princesse, moi je dirais comment ça s'appelle, Jasmine dans les Disney, hein. Putain!
As-tu déjà été opéré? Et non, en 18 ans, je n'ai jamais été opéré une seule fois et jamais, jamais, et je cite encore jamais, on m'emmènera dans un hôpital pour me faire opérer. Je préfère décéder que de me faire endormir. Voilà. C'est très clair. Que manges-tu le matin? Je varie. Avant, je mangeais comme une grosse céréale. Combien de fois des céréales? Peut-être 6 fois des céréales, plus pas mal de chocolat. Mais maintenant, je m'initie à manger un gâteau et de boire un jus d'orange. C'est tout. De qui vient ton dernier SMS à qui tu as répondu? Alors là, mon petit gars, j'en sais rien du tout. Ah, mon dernier SMS, c'est de Laurent, le copain à Ninou, qui m'a appelé hier. Ok, j'avais même pas vu que tu m'avais appelé, mon petit gars. Bref, merci Camion de me faire la luminosité à chier. Je te remercie et va te faire foutre. Putain. Peux-tu résoudre le Rubik's Cube? Voilà. Le Rubik's Cube, non. Je l'ai déjà fait, mais en échangeant toutes les étiquettes. Ça, c'était un espèce de Rubik's Cube pour les enfants, tu vois. Et non, je sais pas faire. Ou alors, non. Dans les casse-têtes chinois, c'est même pas la peine de m'en parler. Je suis une dobie. Un métier que tu détestes ou tu ne feras jamais. Huissier de justice. Oh putain. Alors ça, bah, métier dégueu que je ne ferai jamais parce que je les trouve... Non, je les trouve pas nuls, il y en a qui ont raison. Mais je trouve ce métier beaucoup trop méchant. Donc non, j'ai pas envie d'être méchante. Alors, 14, te parles-tu à toi-même? Bien sûr, je me parle à moi-même des fois en fait. Ou je parle à mon ordinateur, bon ça c'est la base. Mais oui, je me parle à moi-même, par exemple tu me fais chier ou des trucs comme ça. Ma pauvre fille, que je me traite aussi de pauvre fille. Enfin, des trucs comme ça, t'es dégueulasse, putain, mais t'es énorme. Putain, mais t'es dégoûtante, va te cacher dans les armoires de ta mère, parce que là, t'es moche. Enfin, des trucs comme ça. Oui, je sais, je parle trop, là. Oh, putain. Vous inquiétez pas, c'est la dernière question. Je peux vous dire qu'elle a été rapide, cette putain de vidéo, mais je préfère faire une petite dédicace après à quelqu'un. Donc, à 15, as-tu rencontré des stars? Non, je n'ai jamais rencontré de stars et je me porte bien. Je m'en fous. Si demain je devais rencontrer une star, j'ai une poussière dans l'œil. Bah tant mieux. Mais non, je n'ai jamais rencontré de stars. C'est pas grave. Bon, le Nocutai est terminé. Eh oui, déjà terminé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quoi répondre. Mais bon. Vu qu'il n'y a pas de montage, j'ai une poussière dans l'œil. Ah, on dirait une chinoise. C'est vrai. Bref, merci à toi Blue Setup et merci à toi Guillaume Lifestyle pour m'avoir nominé dans un Nocutag et dire que je n'avais plus d'idées de vidéos. Eh bien, me voilà. Non, sérieusement, j'ai pas mal d'idées. Bon, bref. Je tenais à faire aussi une dédicace à Boss Papan et à Steve, je crois que c'est Steve, pour m'avoir fait des dons la dernière fois en live. Les dons vont beaucoup, 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 beaucoup m'aider. Donc pour acheter, je vous tiens au courant maintenant, pour m'acheter le studio, le truc de malade mental. Donc un fond vert, un fond blanc et un fond noir avec tout ça, des petits trépieds et des lumières, des espèces de parapluies avec des lumières pour que la luminosité soit perfecte. Donc voilà, j'espère que ce genre de choses pourra améliorer mes vidéos et vous plairont par la suite. Et puis je pense que tout ça va beaucoup m'inspirer dans mes vidéos. Donc voilà. Autre chose, je fais un VIP, je sais pas encore, une semaine ou un mois, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Je fais VIP à mes 14 000 abonnés, donc dépêchez-vous les gars parce que mon ticket il va pourrir. Bref, non mais je vous oblige pas, mais voilà, c'est juste pour annoncer que oui, je fais VIP à mes 14 000 abonnés. Voilà, donc si t'es pas resté jusqu'à la fin de la vidéo, bah t'as pas entendu. Voilà. Bref les amis, j'en reste là. Je
vous fais de gros bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à checker ma description. Il y aura les liens des chaînes en description. Et n'hésitez pas du tout à aller vous abonner. Bref, bisous à tous !